Les tricheurs, il y en a partout, que ce soit à l'école, pendant les examens ou même dans les sports. Pour ceux qui en aient des athlètes qui trichent pendant des matchs ou des compétitions, je peux vous dire que lorsque l'un d'entre eux se fait attraper en train de tricher, c'est tout juste mémorable. Avant de passer à la vidéo, je tenais à m'excuser pour mon absence, un problème avec mon enregistreur audio, rien de très grave, ne vous inquiétez pas. On revient en force les potos avec plein de vidéos et aussi avec un nouveau compte Twitter que vous retrouverez en description. Allez-y jetez un coup d'œil, vous verrez par vous-même, je suis sûr que vous allez aimer. Bon, comme d'habitude, le like, l'abonnement et la petite cloche. C'est Strawberry, c'est parti pour les 5 athlètes pris en flagrant délit de tricherie. Numéro 5, Dora Ratchen. Aux Jeux Olympiques de 1936 à Berlin, sous les yeux du maître de l'Allemagne de l'époque Adolf Hitler, Dora Ratchen a décroché la 4ème place en saut en hauteur chez les femmes. Elle a par la suite remporté la médaille d'or au championnat européen d'athlétisme. Elle brise tous les records de sa discipline, notamment le record mondial du saut en hauteur le plus haut, et est considérée comme l'une des figures majeures de l'athlétisme de son époque. Mais il a été révélé ensuite que Dora avait un léger avantage sur ses adversaires féminins. En effet, on a découvert qu'en fait Dora était un homme. Apparemment, il y a une confusion lorsque cet athlète est né. Les parties génitales de Dora étaient presque impossibles à distinguer tellement elles étaient petites et par le fait même il a été considéré comme une personne de sexe féminin et a été élevé comme une fille. Dora a découvert qu'il était un garçon lors de son adolescence mais a décidé de continuer comme étant une femme. L'Allemagne nazie de cette époque, de peur de se couvrir de honte, décide de passer sous silence cette information. Dora n'a fait face à aucune accusation et a seulement dû remettre ses médailles et renoncer à continuer sa passion. Numéro 4, les Saints de la Nouvelle-Orléans. Cette équipe américaine de la Nouvelle-Orléans est beaucoup moins honnête que leur nom le laisse apparaître. En effet, les joueurs de cette très grande équipe ont été impliqués dans un immense scandale en 2010. On pense souvent que les athlètes professionnels sont très bien payés et qu'ils nagent dans l'or. Et bien finalement, on s'est rendu compte que malgré toute leur richesse, ça n'a toujours pas été assez pour les motiver davantage et qu'ils en voulaient toujours plus. Ainsi, le coach de l'équipe a proposé à ses joueurs qu'ils recevraient une prime pour chaque joueur de l'équipe adverse qu'ils blesseraient. Si vous étiez un joueur des Saints et que vous blessez un joueur de l'équipe adverse, vous recevez un peu plus d'argent à la fin du mois. Le scandale finit par éclater et le coach est forcé de démissionner. Numéro 3, l'équipe espagnole paralympique. La sélection nationale espagnole en basketball paralympique s'est fait griller en train de prétendre que ses joueurs étaient handicapés. Comme vous le savez, les Jeux paralympiques se déroulent en parallèle des Jeux olympiques, à la différence que ceux-ci sont exclusivement réservés aux personnes handicapées. Fernando Marinas Sainte était le responsable espagnol de la sélection et il a volontairement laissé rentrer au sein de son équipe des joueurs qui n'avaient aucun handicap. Ils ont réussi à gagner plus de 5 médailles d'or aux Jeux Paralympiques, mais on a découvert par la suite que 10 des 12 athlètes n'avaient aucun handicap. Numéro 2, Maradona. Ce but est historiquement célèbre car il fut marqué par la main de Maradona. Selon son propre témoignage, il tendit le bras pour effleurer le ballon qui loba Peter Shilton, le gardien de but anglais, et termina sa course dans les filets. L'arbitre tunisien Ali Benacker, n'ayant pas remarqué la faute, valide le but malgré les protestations des joueurs anglais, donnant ainsi l'avantage aux Argentins qui remportèrent le match 2-1. Lors de la conférence de presse d'après-match, Maradona exacerba la polémique par le commentaire qui valut à ce premier but son surnom, un peu avec la tête de Maradona et un autre un peu avec la main de Dieu. Numéro 1, les athlètes russes. En 2015, éclate un scandale impliquant les athlètes de la Fédération sportive de Russie. Selon plusieurs sources, les athlètes russes auraient triché à leur test antidopage durant les Jeux Olympiques d'hiver de Sochi en 2014 et ce avec l'aide du gouvernement russe. Ces allégations font scandale et la Russie est alors bannie de plusieurs événements sportifs internationaux et des Jeux Olympiques de Rio de 2016. Les athlètes en question font appel de cette décision en justice et finalement, un jour avant la cérémonie d'ouverture, 270 athlètes russes sont autorisés à participer aux compétitions tandis que 117 autres en sont bannis. Cette vidéo touche à sa fin, merci d'avoir regardé jusque là, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, vous savez que vous pouvez lâcher un like, vous abonner et activer la petite cloche. N'oubliez pas que pour pouvoir recevoir une de mes dédicaces, il faut que vous l'ayez fait et que vous me dites en commentaire que vous l'avez fait. Plus vous êtes actif sur la chaîne, plus vous augmentez vos chances de recevoir une dédicace. Donc dédicace pour aujourd'hui à Manel M, Tonton Mods et Polo Vas. Continuez comme ça les amis, vous êtes au top. Moi je vous souhaite une prochaine vidéo, ciao tout le monde.